Ah, et bien salut à tous et à toutes, ici Narco Otaï. Aujourd'hui on se retrouve sur Wii U pour du Super Smash Bros. Et on va tester les deux nouveaux personnages. Donc les deux derniers personnages qui sont sortis en DLC, il s'agit de Corinne et de Bayonetta. Donc Corinne, c'est le héros, hein, semblerait-il, du prochain Fire Emblem Fights, qui est déjà sorti au Japon mais qui sort le 20 mai en Europe. Donc là on va tester un petit combat d'échauffement. On va prendre Corinne contre Bayonetta, une petite map vite fait. Go! Oh, ça esquive. Donc là, on va surtout tester un petit peu les techniques, hein, de Corinne dans un premier temps. Visualiser les techniques de Bayonetta, parce que je vous garantis, j'ai presque pas joué avec ces personnages. J'ai joué un tout petit peu avec Corinne. Mais voilà, j'ai pas pu vous faire la vidéo avant parce que j'étais chez Madame Narco. Et ouais, comme vous l'avez peut-être vu dans l'arrière de mes autres vidéos, j'étais pas chez moi, il n'y avait pas le même décor que là actuellement. Et donc du coup, ben, forcément, j'ai pas pu jouer. Mais là, ça y est, on est bien décalé. Donc on peut lancer des boubous là avec Corinne. Corinne qui est un nom très masculin, effectivement. Bayonetta qui peut tirer, donc attaque à distance également, donc c'est sympathique. On se met transforme en dragon, bien évidemment, en faisant en bas et B. Vous savez, je peux contrer une technique comme le fait par exemple Roy et Shulk, il me semble, je suis plus sûr. Mais dans tous les cas, ça marche bien. Et ça se fait que Corinne se transforme en dragon. Why not? Voilà. Oh, tu ronflexes. Elle me fait mal. Pas très très gentil. Bam. Oh, on peut faire une sorte de lance comme ça, la bouboule et le. Ah, tuer. Et voilà. Victoire. On s'attendait un petit peu, mais enfin bon. C'est juste histoire de tester. On va relever un petit peu le niveau juste après. Bon. On relève le niveau, on passe Bayonetta au niveau 9. On va prendre la map qu'on a eu avec le personnage de Bayonetta. Donc c'est juste là, comment ça s'appelle déjà? C'est Tour de l'horloge de Roombra. Let's going on. 1, go! Boum, on essaie de tirer des bouboules. Pour la paralyser, on passe dessous, dessous. Brrr. Oh, elle se protège. Non, elle nous met les premiers coups. Pas bon. Technique un petit peu bâtard. Et elle nous met mal. Voilà, non, 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 non. Oh, yeah. J'ai réussi à l'enchaîner, mais c'est pas facile, niveau 9. Bon, ça va encore. On n'est pas sur du Amiibo level 50 ou je ne sais quoi. Oh, elle est pas morte. Oh. Elle s'est rattrapée sur la plateforme juste en bas. Elle va refaire le coup. Non, la plateforme se barre. Tu peux plus rien faire, bêtise. Tu es face à mes bouboules. Brr. Oh, elle passe en dessous. Elle se transforme en papillon, elle passe au-dessus. Oh, le petit coup en dessous. Elle a mal. Elle esquive la bouboule, elle me met des coups de pied, je passe dessus. Elle m'a ralenti. Oh, coup de poing vers le haut. Oh, c'est pas bon ça. Oh, en faisant le petit contre là, ça transforme mon dragon et ça l'a bien fait mal. Je vais la tuer maintenant. Oui. Oh, vous. Pas mal. Oh, direct, elle part. Pas de temps, Giratina. Triche. Complot illuminati, les gars. Ah, ça se fait grave. Hop. Bon. Il y a un peu, s'il y a notre mec, on va un petit peu temporiser. On a esquivé de justesse. Viens ici, toi. Oh. Comment elle fait mal. Genre, on va pas sur la petite plateforme. Mange-toi mes boules. Enfin, de mes boules d'énergie. Ouais, je vous vois venir. Allez. Oh, le petit bonhomme cowboy qui tire en pile poil sur elle. Comme elle a mal. Oh. On va essayer de lui lancer cette caisse. Dans le dos. Elle veut... Oh, elle est morte. Yes, plus un pour moi. Allez. 3, 2, 1. Victoire. Tu la sens, la bonne victoire à la Corinne. Ça, c'était gratuit. Maintenant, on va prendre Bayonetta pour changer un petit peu de gameplay. Toujours match de chauffe. Donc, on va prendre une petite map. Non, pas celle-là. On va partir sur une map... non, non, non. Ouais, pont d'ordine, ça va bien passer. Et voilà, juste on se chauffe, hein, rapidement, au calme, toi-même tu sais. Allez, go. Je peux tirer à distance, ça marche bien. Je peux faire des slides, ça marche bien. Oh, oh, elle est rapide, elle est vive, elle est... C'est particulier comme gameplay encore, hein. Les coups de poing, les coups de pied, les cabrioles, tout ce que tu veux. Ça me fait penser un petit peu à Ganondorf, vraiment un petit peu, mais dans certains mouvements, ça me rappelle un petit peu. Bon, le chien, il est pas chiant, s'il te plaît. Bon,
On va rien là, le but c'est de voir un petit peu. Merci. Allez. Il bouge pas le l'ordi, hein. Niveau 3 il a vraiment mal, hein. Niveau 9 ça ira mieux un petit peu après. Alors je sais qu'il y a moyen de combotiser un petit peu avec elle. Voilà. Quoi coup c'était vraiment Bref. Hop. Ah dommage. Ah bah tiens, ce serait bien qu'on voie sa technique ultime à elle. J'aimerais bien voir la technique ultime de Corinne peut-être un peu plus tard aussi. Avec la boule smash. C'est moi qui l'a. Qui l'est. Allez, sbre. Oh, elle ralentit le temps. Ok, en bas il y a le genre de timer, l'horloge qui se remplit. Et c'est fini. Bon, victoire. On s'y attendait pas du tout. C'est juste un petit test. Hein. Maintenant on va passer à du sérieux. Corinne, niveau 9. On est parti. Pur. Non, Bayonetta. Hein. Pour du vrai. Du combat ultime. Toujours sur la tour de l'ombre. De l'ombre. Voilà. Et alors là, on va s'énerver un petit peu. Allez les gars. Et go. Brrr. Allez, prends-toi mes. Wow. Et il se vénère avec quoi on passe dessous. Bouh, le coup de poing. Oh elle vénère. Oh, ça esquive. Et hop, ça esquive la boule. Alors là, ça joue tout un esquive. Oh oui, je lui ai mis le premier coup. Ah, il a bombé. Ah, Corinne, à vous. Je ralentis le temps. C'est pas du tout déjà mon pouvoir, mais on continue. Sbru. Oh merde, putain, je l'avais bien combotisé, mais vu qu'il est au ralenti, son corps suit pas. Et là, je charge mes coups. Elle tire avec les pieds. On va dire que c'est tout à fait normal. On est d'accord. Je m'enferme dans tous les cas. Yo. Allez. Oh, comme il enchaîne le bâtard. Allez. Wow. J'aimerais bien. Wow. Hey. Il joue plus mieux que mon cas avec Corinne. Ça, c'est quoi ça? Ah oui. Envole-toi. Meurs. Oh, genre, il n'est pas mort. Et avec ça, alors. Au moins, il va perdre un petit peu de la vie. Boum. Oh, pourquoi ça lui a rien fait? Oh, je l'ai mis en plein dans la tête, là, le coup de poing, là. Il y a des trucs que je comprends pas trop. Ça part dans tous les sens. C'est vraiment des combats qui sont ultra rapides hein, avec ces deux persos. Hein. C'est ça qui est vraiment bon. On attendait des persos comme ça. Marafak. Hein. J'ai pas envie de mourir. Oh pouh. Ah il m'a tué. Ah il m'a tué. T'inquiète même pas. Il reste 29 secondes. Je te baise. Oh putain mais meurs quoi. Allez viens. Je te... Et maintenant, bitches. À 17 secondes dans la fin, ça met bien. Il faut juste pas que je meure maintenant. Ça serait bien que je retue un coup. Oh, ça part dans tous les sens. Ça pète de partout. C'est trop beau. Bon, il va y avoir une petite mort subite, je sens. On va charger, vous savez quoi? On va charger le flingue pour voir si à distance on arrive à le buter. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. La petite victoire qui passe bien. Aisé. Allez, surprise, petit match de gala spécial Fire Emblem. Donc on a Lucina, Marth, Ike, Darren et moi, Corinne. On va jouer sur une petite map. Marp. Sbru. Allez, on est tous les personnes Fire Emblem réunies de Super Smash Bros dans cette map. Il y aura éventuellement moyen d'avoir la technique ultime de Corinne, ce qui serait bien pour bah voilà quoi, pour qu'on la voie un petit peu, ça part dans tous les sens où je suis. Ok, alors je m'attaque à ce bâtard de Marth. Zigde. Faut pas que je lâche la manette trop longtemps. Oh mais c'est le bordel. J'y comprends plus rien. Est-ce que... Oh... Ah oui, plus ça. Ça, c'est gratuit. Eh ouais, parce que les autres aussi peuvent s'entretuer entre eux, donc gagner des points. Donc, ce qu'il faut que nous, c'est que on gagne bien, bien des points. Si on arrive à avoir la technique ultime, ce serait bien. Au moins, on charge bien comme il faut. J'ai invoqué deux Pokémon complètement inutiles. Ça, c'est un petit peu la tristesse aussi. Et là, j'essaie de contrer. Oh, boum. Ça part dans tous les sens. Eh ouais, frère. Allez, boum. Je meurs pas. Boum la bouboule. Et ah c'est moi qui veux le toit. Voilà. Allez, ça va faire du mal. Bleu. Oh.
Oh. Oh. Alors là, l'autre avec son éclair, donc je vois venir le Darren là, dans ton dos. Boum. Vas-y. Allez. Ça, je suis tout petit. Et je suis ta femme. Bye. Forcément. Forcément. Allez. Oh, j'ai seulement ce bouboule, mais il y en a un qui a gagné. Enfin, il y a eu plein de points qui se sont attribués là, j'aime pas ça. Je vais être le premier. Oh. Et ouais, ça part dans tous les sens. Oh. Oh. Ouh, comme ils ont tous jarté. Ça, c'est de la bonne technique, n'empêche. Franchement, le coup de contrer une attaque comme ça, mais enfin une attaque de zone, c'est super. Le Xer, la petite bouboule qui passe bien. Hop, ça me gratte l'oreille, frère. Boum, ça m'empêche pas de jouer. Allez, y a pas moyen de. Oh, ralenti. Non. Oh, la boule smash. Oh, fuck it. Même au ralenti, je la touche. Y a pas. Il se brrr, je l'ai touché. Bon, je l'ai pas encore eu. C'est moi qui l'ai, qui va la voir. C'est moi. Avec les ailes. Et se brrr. Oh, c'est stylé. Oh, c'est stylé. Ah ouais, grave classe. Ah, franchement. Ah, franchement. C'était stylé. Allez, encore une petite minute pour terminer ce combat de gala. Tranquillement, on a vu la technique ultime de Bayonetta et de Corinne. Le petit match de gala sur les persos de Fire Emblem. Franchement, ça fait plaisir, hein, les deux derniers personnages annoncés. Donc, il semblerait qu'il n'y en aurait plus dans Super Smash Bros. Donc, c'est bien parce que du coup, ça veut dire que les amiibo Super Smash Bros, la série s'est terminée entre guillemets, parce qu'il y en avait déjà carrément beaucoup. Moi qui faisais la collection des amiibo, c'est vrai que pour tous les avoir, c'est hardcore, ça coûte cher. Donc, au moins, voilà, ceux de Super Smash Bros, je sais que ça se termine à un moment. On va me concentrer petit à petit pour tous les avoir. Et puis après, les autres, hein, petit à petit. Même tu sais, pour avoir c'est tout le monde. On verra, je me prendrai peut-être les amiibo d'Animal Crossing, mais ils sont un peu trop mignons à mon goût. on verra. Bon, encore 17 secondes à tenir et on leur fait mal. Plus un pour moi. Ah, 10 secondes, les gars. Allez, on lance des bouboules. Boum. Oh, oh. Allez, on essaie de terminer sur une belle image en volant. Oh, trop classe. Trop classe. Et victoire de Corinne. Bon, les gars, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo sur du Super Smash Bros. Wii U. Hein. On a vu donc les deux derniers personnages. Bref, et donc j'espère que ces personnages vous ont donné envie de peut-être rejouer Super Smash Bros. Pourquoi pas? N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et à laisser un gros pouce bleu. C'était Narco et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde! Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Pense à t'abonner gratuitement à la chaîne YouTube NarcoTag en cliquant juste ici pour ne pas louper les prochaines. Tu peux également cliquer ici pour accéder à la playlist de la vidéo. Tu peux aussi cliquer ici pour visionner la dernière vidéo publiée. Tu peux également me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, pour ne louper aucune information concernant la chaîne. Et si le cœur t'en dit, tu peux effectuer un petit don pour aider la chaîne à évoluer.